Now we're all watching. Oh, I love you. She's so beautiful. Designer. Show us your favorite outfit. Yeah, so I make like a little bit casual stuff, but sometimes I make something like chic, you know? Like something more like to go out and everything. What was your inspiration? Tell us about it. Well, my inspiration comes from photography, because I was a photographer for 15 years. Yes, I can understand. I gave up because I wanted to like launch my own line. Okay. So this dress was the inspiration from my photography. Okay. And like, with the shoe, nice to wear, drink, like, it's a cocktail dress. Sometimes wear it. Are you sure it's a cocktail dress? Because I think it's too short, isn't it? Oh, really? Yeah. You know, I don't know a lot about dresses, but I'm a fashion designer. So, then I have like something more like sparkles. Yeah, okay. So, oh, because you're from Brazil now. I'm from Brazil. Yeah. I like sparkles. So, this was like inspiration from Carnival. Oh yeah, so okay. Now in Brazil we do carnivals. So I was inspired. Okay, amazing. Yeah. And yeah, yeah, actually like I love your collection. Thank you so much. Yeah. So this was Beyoncé's favorite dress. Can you show it? Oh yeah, yeah, yeah. I remember. Yeah, yesterday you showed it to the Beyoncé stylist. So yesterday Beyoncé stylist came to my showroom. And I was like shocked because like this is like step forward in my career. So like I'm gonna be famous very soon, so I would like to tell your viewers that this is gonna be very famous very soon. So I'm gonna have a show very soon. Paris Fashion Week, like next year. Obviously. Yeah. And Anna Wintour called me. Like suddenly, one morning, I was like sleeping, you know? Yeah. I was sleeping and it was like... Okay. Yeah. Like, you know, time difference in US was like... Oh, yeah, yeah, yeah. I remember. And I was like, hi. Hello. And she was like, hi, Anna Wintour wants to talk to you. I thought it was like a prank. Oh my god. Yeah, I felt like somebody, like friends were making fun of me or something. I was like, no, this is not possible. I was like, stop making jokes, please. Like, stop, okay? Okay. Like, and she was like, it's not a joke. It's like, really, Anna Wintour wants to talk to you. And I was like, okay, let me talk to her. Oh, this is my assistant. Oh, the assistant is coming. My assistant. So we were working together since when? Since like 15, like it's been 15 years. 15 years, yeah. We met in Paris. Yeah, we met in Paris. We were classmates in high school, you know? And then she became your assistant, really? Yeah, and then suddenly we were walking in the street and I saw her. I was like, hi, how are you? How are you doing? Like, you want to be my assistant? And she said, yes. So, and okay. This coat was designed by both of us. Yeah. Ah, okay. Yeah, so she was a pilot before. I used to fly to Dubai and stuff. Ah, yeah. Okay, so it's why you have this code, like, yeah. Inspiration. Yeah, so okay. She was like, oh, let's make something pilot, and then we did this.
Okay, perfect. Well, I think the interview is finished. Really? Because I have so much things to talk about. Like, I can talk for 5 hours. I think I got it. Yeah, okay, so just I want to tell your viewers to like my page. Yeah. It's called okay. NK. Okay. Like and subscribe to my channel. Okay. She's close to 1 million. Yeah, yeah. I'm close to 1 million. And yeah, I'm a YouTuber at the same time. Designer, YouTuber, photographer. You're like everything. Everything. I opened my restaurant in Paris. Oh, like Jack Mu. Yeah. Okay. Her CV so is like a book. Yes. It's so long. So it's very. We can say, like, look at this diva. Oh my god. Yeah. Yeah. So, of course. Okay, I'm gonna tell it to my followers. Yeah. Subscribe to her channel. Visit my restaurant, please, and try. What do we have? Like our special dish is truffles with fish. Yeah. Okay. It's very good. And try this. Okay. So bye. We need to work now. We have buyers coming. Yeah. Thank you. No time. Bye. Hey, du coup, j'espère que les vidéos que je vous ai montrées ont pu vous montrer l'ambiance et l'atmosphère dans laquelle on travaillait tous les jours. C'était vraiment une atmosphère et une ambiance chaleureuse où tout le monde s'entraidait. C'est trop trop bien. Encore une fois, mes collègues, ils étaient internationaux, donc il faut vraiment impérativement parler anglais. Ce sont les acheteurs qui sont internationaux, donc il y avait très peu d'acheteurs français. En plus avec le corona, donc il y avait vraiment... plus trop d'acheteurs français en plus pour je sais pas pourquoi, un compte à Paris. Enfin bref, ouais, c'était trop bien. J'ai rencontré Tuna Kunake avec son styliste, cette fille trop gentille, trop douce. Elle est encore plus belle en vrai que sur les photos. Elle est trop belle. Et les gars, j'ai travaillé avec les stylistes de Beyoncé. Enfin, c'était un truc de ouf. Ils étaient vraiment gentils, chill, ils se prenaient pas la tête. Et c'était un truc de ouf, enfin, c'était vraiment bizarre parce qu'à chaque fois qu'on nous ramenait les robes pour les enfiler aux mannequins, on nous disait bah ça c'est pas bien, c'est... Ok, c'était vraiment trop bien. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Ah oui, des fois on s'était photoshoot dans la rue, il y avait mon ami qui a son showroom à lui avec plein de marques internationales, donc on a fait du contenu pour ces marques. Moi j'ai vraiment rigolé, c'était un jeudi soir à 18h avec Shandy et Véronica. On a pris nos meilleures tenues, on a fait nos best photos. Genre moi j'ai pris une chaise d'un café, évidemment j'ai demandé. Et genre je l'ai mis en plein milieu de la rue. J'ai fait mes best shoots, c'était trop bien, enfin j'étais trop heureuse, on était trop contents. On a fait des photos dans une boulangerie, enfin c'est trop bien. Je vais vous montrer ça un petit peu. Et bah, franchement, trop bonne ambiance. Vu que c'était ma deuxième expérience, bah, moi, forcément, j'avais plus de liens avec les mannequins, mais les mannequins trop gentils. Elles savaient comment dire, mettre une ambiance chaleureuse pour les nouveaux. Et ouais, du coup, mes collègues étaient internationaux. Je sais pas si je l'ai déjà dit. Mais ouais, bref, on parlait tous anglais. Et ouais, c'était trop bien. Enfin. Vraiment, la mode, c'est vraiment ça qui me rend heureuse dans ma vie. Et genre, je sais que c'est le milieu dans lequel je vais finir, pardon. Et c'est encore mieux quand tu partages ce genre d'expérience avec des gens qui ont la même passion que toi. Parce que franchement, j'en ai marre que les gens disent que les gens qui aiment la mode, c'est des gens superficiels, méchants, aigris. Franchement, c'est pas vrai. Les mannequins trop gentils, le créateur David Koma, enfin, trop, trop gentil, enfin... Vraiment, tout le monde était là pour s'entraider. Il n'y avait aucune ambiance de diva. Enfin, c'était... Ceux qui pensent ça, c'est faux. Et voilà. Donc, pour ceux qui veulent avoir ce genre d'expérience, n'hésitez pas à checker Fashion Job à chaque Fashion Week, à envoyer des mails au PR ou directement aux marques pour les aider dans les fittings, dans les showrooms, dans les photoshoots. Ils prennent, ils cherchent des gens. Donc, voilà. N'hésitez pas... Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si elle est un peu courte. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou en commentaire, je vous répondrai. Voilà!